Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de trahison. On va parler de trahison entre amis. On va parler de célébrités. Sincèrement, je ne suis pas l'actualité de ces personnes dont je vais parler aujourd'hui, mais il arrive que je regarde les news et j'essaie de voir ce qui se passe. Au départ, je n'étais vraiment pas intéressée par qui sortait avec qui, dont une certaine Emily Ratajkowski. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. C'est une influenceuse, actrice, chanteuse, tout ce que vous voulez, qui est très jolie, qui a été rendue célèbre dans un clip d'un célèbre chanteur canadien. Elle se montre toute nue et elle s'en fiche. Vraiment, c'est une femme libérée, libre, tout ce que vous voulez. Donc, elle a divorcé de son mari récemment après qu'il ait trompé. Elle a un enfant avec celui-ci. Donc, après son divorce, qui est arrivé il y a quelques mois, maximum 8 mois, presque un an, quelque chose dans le genre, elle est sortie avec plusieurs hommes, enfin, à différents moments. Elle a eu 3 mois avec celui-ci, 4 mois avec celui-là. Et aujourd'hui, on apprend qu'elle est avec Harry Styles. Si vous ne savez pas qui est Harry Styles, c'est un chanteur anglais de la nouvelle génération. Sincèrement, j'écoute pas ses chansons, je ne sais pas ce qu'il chante, pour être honnête. Voilà, j'ai peut-être essayé une fois, mais ça ne passait pas, donc je suis passée à autre chose. Il est soi-disant le nouveau Prince, ce qui m'étonnerait sincèrement. Donc du coup, elle sort avec lui. Le problème, c'est que ce monsieur vient de casser avec une autre qui s'appelle Olivia Wilde. Donc si vous ne connaissez pas qui est Olivia Wilde, c'est une actrice de série américaine, même de film aussi américaine. Très bonne actrice, hein, je trouve qu'elle a un très bon jeu. Et elle sortait avec Harry Styles. Ils sont restés près de 1-2 ans ensemble. Et ça s'est arrêté parce qu'il en avait marre du drama qui se passait entre elle et son ancien compagnon. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là parce que ce n'est pas très important. Donc, ils ont cassé. Il se trouve que Emily Ratajkowski était proche de Olivia Wilde. Elles n'étaient pas meilleures amies, mais elles étaient quand même proches. Elles se voyaient souvent, elles avaient le même cercle d'amis, elles prenaient des photos ensemble. Elles étaient proches, on va dire. Ouais, on va dire ça. Maintenant, le fait est qu'on dit que Olivia Wilde se sent trahie parce que sa copine, Emily, est sortie avec Harry Styles et qu'il y a un code entre amis qui veut qu'une amie ne puisse pas sortir avec l'ex de son ami. Est-ce que Emily Ratajkowski a eu tort de sortir avec Harry Styles, sachant qu'il vient juste de se séparer, il y a à peine quelques mois, de Olivia Wilde? Personnellement, je dis oui. Je dis qu'elle a eu quand même tort de se lancer comme ça dans cette relation, sachant qu'elle les rencontrait de temps en temps quand ils étaient ensemble. Donc peut-être qu'ils auraient dû attendre un peu plus longtemps, quelques mois, un an, quelque chose dans le genre. Mais si elles ne sont pas très proches, je peux comprendre qu'elle recherche l'amour et veuille sortir avec lui. Mais en même temps, c'est assez bizarre. Ça veut dire que quand il était avec Olivia Wilde, peut-être qu'elle elle le regardait en espérant avoir la même relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Je vous pose la question. Est-ce qu'il est normal pour une amie de sortir avec l'ex d'une personne dont elle est proche? Par exemple, ces deux amis qui ne sont pas de meilleurs amis, qui se voient de temps en temps. Bon, on peut dire connaissance, un peu plus que connaissance, tirant vers l'amitié. Est-ce qu'il y a un code qui veut que cette femme ne puisse en aucun cas sortir avec l'ex de sa connaissance, de son ami? Alors, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.